C'est fou quand même, non? C'est rare de revoir des gens qu'on a connus au collège. On nous aurait vus, moi, quand même, très inhibés, toi, limite cas social, non? On n'aurait pas misé cher sur nous. Et en fait, on s'est plutôt pas mal débrouillés dans la vie. Enfin, surtout toi. C'est marrant quand même, cette médaille le même jour, ces retrouvailles. Ça peut être le signe de quelque chose? T'aimes toujours les filles? D'où tu sais ça? Pourquoi t'es montée dans ma voiture? J'avais besoin d'un véhicule. Tu sais, Marteau, quand on est riche comme moi, on apprend vite à reconnaître les gens intéressés. Ok, Janowski, j'ai quelque chose à te demander. Mais avant, faut que je sois sûre de pouvoir te faire confiance. Ah, tu le sais déjà, ça, non? Pourquoi? On était au collège ensemble, Marteau. On ment pas à cet âge-là. T'étais pas vraiment inhibée, c'est juste que t'aimais déjà les filles et du coup t'étais pas très à l'aise. Je me trompe? Non. Je me souviens, on devait être en troisième. On commençait un peu à faire des fêtes. Une fois, on était chez la fille du prof de maths. Isabelle Marot. Isabelle Marot. Ouais, eh bien. C'est marrant. Ces noms qui ressortent des limbes, comme ça. Et toi, t'avais vomi. Oh non, merde, tu viens de ça. Non, mais ouais, j'avais un peu forcé sur le Malibu Ananas. Ouais. Première cuite. Bah, t'étais un chagrin d'amour, non? Je me trompe? À cause d'une fille. Mélanie, une brune. Mélanie Tardy. Ouais. Elle avait couché avec un gars ce soir-là. Paul Costa, j'avais envie qu'il meure. Et toi, t'avais mangé les croquettes du chien devant tout le monde, c'était énorme. Ouais. Je voulais leur montrer que je serais jamais comme eux. Un petit bourgeois bien content dans sa petite cage. Ok, Hicham Janowski. La vérité, c'est que mon agence à SK, c'est une super boîte. Un petit bijou que tout le monde nous envie. Mais l'hiver dernier, notre patron est mort et depuis, le bijou, il est à vendre. Mais on est très difficile. On cherche la perle rare. On a refusé des tas d'offres. On veut pas quelqu'un qui nous reprenne, en fait. On veut quelqu'un qui nous épouse. On est arrivé, tu me déposes? Tu me fais visiter? Histoire de voir à quoi ressemble la mariée.